développer son amour pour chair. Moi, j'ai été amoureux. Quand on aime, on est hanté par son bien-aimé ou sa bien-aimée. On ne pense qu'à elle, on ne rêve que d'elle, on ne veut que la satisfaire et lui faire plaisir, lui faire des cadeaux, être gentil, aimable avec elle. Donc, quand on aime, on a des actes. Mais des fois, même quand on n'aime pas, pour développer cet amour, on fait les actes des amoureux pour avoir l'amour. L'amour entraîne des actes et se forcer à faire des actes entraîne l'amour. C'est réciproque. C'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Tahadu tahabu ».« Tahadu tahabu ». Faites-vous des cadeaux, aimez-vous. Faites-vous des cadeaux, aimez-vous. Il n'a pas dit « Aimez-vous, faites-vous des cadeaux » parce que ça va sans le dire. Quand on s'aime, on se fait des cadeaux. Mais il nous a incité à emprunter le chemin inverse. Faites-vous des cadeaux, aimez-vous. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, un voisin, un ami, un frère, forcez-vous à lui dire bonjour, à lui dire salam alaikum, à demander de ses nouvelles, même si vous ne le blairez pas. Faites l'effort pour avoir des gestes et des paroles d'amour et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner l'amour par la suite.